Wabedike gere mazio, si utaule. Gere dike wabe mazio, si utaule. Entre les deux là qui mazmen, si utaule. Ye baiga blue oka enoa o, si utaule. Camerounais dike les osoula, si utaule. Les Allemands disent qui boivent fort, si utaule. Entre les deux là qui est sous la mer, si utaule. Ye baiga blue oka enoa o, si utaule. Big medi gabonais eku, si utaule. Les big bêtes en cours, si vous j'avoulez. A des lettres qui est plus grand, si vous j'avoulez. Que maïga blou au caillé noir, si vous j'avoulez. Mauritanien dit qu'il est blanc, si vous j'avoulez. Abino dit qu'il est blanc aussi, si vous j'avoulez. A des lettres là qui est blanc de clair, si vous j'avoulez. Que tribalisme n'est pas bon, si vous j'avoulez. Faut pas fâcher, nous s'amuser. Et quel est votre plat préféré en dehors du taro au Cameroun? Non, vraiment les plats des différentes régions. La cuisine camerounaise est très riche. Oui. Ça peut être, je peux aimer beaucoup le namwondo, comme le namgon, si je suis. Vraiment, malheureusement, parfois, ce n'est pas toujours conseillé. Parce que, hein. Voilà, ce n'est pas toujours conseillé. Mais il y a des plats classiques au Cameroun, le ndolé, bon, voilà, c'est devenu un plat quasi national. Je l'aimerais beaucoup plus avec la morue, le poisson fumé, davantage qu'avec la viande. Bon, donc, vous avez parlé de taro, mais j'aime aussi les légumes. Ce qu'on appelle les légumes chez nous, en fait, c'est un peu ce qui ressemble chez vous ici aux épinards. Donc, les feuilles vertes. Oui. C'est bon, le plantain mûr. Hein? Oui, avec le plantain mûr. Et il y a une façon spéciale de préparer ça à Fumban, dans le noun que j'aime beaucoup. Le djapché, on appelle ça. Ah, le djapché. Le djapché. Ils mettent quoi dedans? Non, ils mettent de la viande, ils mettent de la viande ou du poisson, mais c'est que j'aime parce qu'il y a des morceaux de tige dedans. Et ils mettent des graines de courge. C'est très bon à manger. Très bon avec le couscous de maïs. Mais sinon, dans la partie septentrionale, mais que l'on retrouve aussi à l'ouest d'ailleurs, j'aime bien la sauce de gombo, akro, parce qu'on fait ça avec la boule. Que ce soit la boule de maïs ou la boule de riz ou le foufou de manioc, la sauce sauce feuille de baobab dans la partie septentrionale également, ou de foléré dans la partie septentrionale. Donc vous voyez, en fonction des régions, il y a des choses absolument, et ça, on ne se lasse pas au Cameroun. C'est un peu l'histoire du cochon, tout est bon dedans. Mais oui, absolument. il y a beaucoup de choses aussi à l'étouffer. Le poisson à l'étouffer, le ndomba, soit ndomba de poisson, et le mbongo chobi, à condition qu'il soit vraiment bien préparé, c'est excellent. Qu'il soit bien fait aider à Ezeka. Oui, aider à Ezeka avec le macabo, qui est bien dur là, qui est rouge ou blanc. Donc ça, oui. Les Camerounais vont se remettre à manger national avec lui et tout. J'en reviens, voilà.